Attends, je t'ai fait écouter le la comptine. Ça, c'est un bon camarade. Ah, Sanctuary qui est un 2. Quoi? Tu racontes sur la solution. Sur la solution. Ah, mais lol. Lol, qui sont coquilles. Il faudrait une statue de Claptrap sur cette île. Je vous adore tous. Et ça s'ouvre. Et ça s'ouvre. Non, pas les escaliers. Alors. Non. Jouons. Dis-moi à qui te fait penser cette voix. Les ramagés du cerveau. Car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade. Et nul ne peut le nier. Et nul ne peut le nier. Et nul ne peut le nier. Car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, et nul ne peut le nier. Je sais pas, CMV, je sais pas, j'en sais rien. Ça te fait pas penser à Antoine Daniel? Si, mais je me suis dit... Si, non mais c'est pas lui, Daniel, mais la voix ressemble. Si, c'est pas lui. Oui, mais la voix en fait, j'ai hésité entre lui et MV, mais ça m'a fait un peu penser à MV, mais... Ok, non, mais ça va! Non, mais c'est moi qui trouve que ça ressemble après, je sais pas, mais. Ouais, mais si, sinon. T'as vu comment elle s'appelle, la madame? C'est Lucas. Madame Olive, elle va te foutre dans le cul. Ok. Les vôtres? Ah oui, tu sais, j'ai inventé un nouveau personnage aussi, c'est Marlène Chiapolata. Vôtre! Vôtre! Bande de misogyne! Bande de misogyne! Faut faire quoi? Ah, faut que je vote. Vote le bouquin là. Bien fufé. Des blagues. Pardon. Not like my best friend Rose. She's amazing. Non, c'est genre tu sais, monsieur et madame bien fufé ont un fils, comment s'appelle-t-il? Humphrey. Humphrey bien fufé. Ah, c'est marrant. They've even asked me to officiate the wedding. It's such an honor. But they never arrived, and I've been worried. Mal. Emery's and bring me any mementos it leads you to. Please, hurry, I'm begging you. Tu comptes dans ton métier Titanic, c'est ça? Tu crois que c'est une ref aussi là? Mais non. Ta gueule. Tu crois que c'est une chose des nymphes à Borderlands? Non. Vous aurez dans les mains, mais bien. Rapportez. Ces objets qui chérissaient, nous les retrouverons. Et nous les retrouverons. Rapportez-moi, mes amis. Et nul ne peut le nier. Et nul ne peut le nier. Ils m'ont embrassé. Oula. Tu l'as mis à jour pour Apex, ce jeu-là? Tu sais qu'il y a 12 gigas? 16 gigas. Bah, il y a écrit 17 gigas et à côté 7 heures. Ah oui, 17. Ah oui, 17, c'est vrai. T'as pas fait ça la précédente, oui. Et là, j'ai fait. Ah! Ah, ok. Ouais, mais. Eh bien, ce sera pas pour ce soir. Oui. Autant que pas, hein, il y a une game sur deux qui crache. Donc. Ça, quel plaisir. Ouais, bon, c'était juste. Non, mais allez, il est enterré sur la pointe de rapier. Bah oui, c'est marqué, donc pourquoi on va regarder des sous-lus, c'est tout. C'était juste chiant à chercher dans tout le blabla, mais... Mais en fait, j'ai juste ouvert mon livre, je l'ai vu direct. Vraiment. Ouais, vas-y. Mais je te jure, j'ai ouvert, bah j'ai la vidéo. Mythos, ouais. J'ai la vidéo, tu verras, c'est ouvert sur la bonne page directement. Ouais, non, arrête de mytho. Ferme ta gueule, j'ai la vidéo. Ah oui, d'ailleurs, tu as vu mon magnifique kill, mon double kill. Ah ouais, bah, la légende dit que tu as fait une collate. Oui. Une collate. J'ai colmaté. Ah, je peux te dire qu'il y en a pris pour son. Allo? Allo? Y'a quoi? Donc avec sa bite, il a percuté. Il a pénétré deux à la fois. Ah! C'était un sacré coup. Oh, ça, Florian, il a des vraies fesses. Hein. J'aime bien le 204 qui est parti là-bas. Putain, je suis né à nez avec une photo d'Oscar. Putain, j'ai cru que t'étais sur Instagram d'amour en fait. Ah, tiens. Ah, tiens. Ah, mais c'est Lara Pierquet. Comment va cette femme bien brave? C'est fou, hein, chaque fois que j'y vais, c'est quand t'es là. Je veux rien dire. Ça. Oh, stream anniversary. Oh merde. Ah, Amourante ne stream pas actuellement, dommage. Ah. Elle a pris un RTT. Par contre, il y a une grosse île devant.
Bon, je vais pas aller consulter sur Instagram, je risque d'être souillé d'avoir un chapiteau. Nul ne peut le nier. J'adore ce punchline. Vidéo sur Twitter, ça, en fait c'est une nana, elle est à poil, elle se fout à poil sur un pont, et en fait elle plonge dans la rivière, enfin dans le fleuve plutôt, qui coule juste en dessous, mais genre elle se jette, mais j'ai jamais vu ça quoi. Genre elle a cru que, tu sais, le pont il est méga haut, et elle se jette comme si elle se suicidait quoi. Du coup elle fait un bon vieux plat, ça, quel plaisir. C'est ça, qu'est-ce qu'on a poil? Bah, je sais pas pourquoi, c'est. Bah, elle s'est foutu à poil pour. Ah, on y est, Lucas. Bah, non, mais elle s'est foutu à poil pour pas se mouiller, quoi. Enfin, pour pas mouiller ses vêtements. Oui, évidemment, mais c'est. Bah, je sais pas, il doit y avoir des gros pervers dégueulasses qui ont piqué sa culotte usagée pour en faire. C'est les mêmes connards qui achètent. Qui achètent de l'eau qui provient du bain de. Je sais pas qui. Impossible de placer banane. Et de trouver la boîte d'épices de Georges. La boîte de pisse de Georges. <Yes. rire> De pisse. Elle fait un boîte de pisse. Ferme de sauce. Lui, ses bottle flip, il doit être bizarre quand même. Alors, elle s'appelle comment, nous, la truc? Amourante. Pardon. Non. Est-ce que c'est la chasse aux cochons? Cochon, là. Petite cochon. Putain, on est vraiment dans une boucle infinie, c'est un bâtard. Il y a 3 jours, je montais un truc, on faisait ça aussi. C'était il y a 6 mois. C'était il y a 7 mois même. Tu m'as dit dans 70 ans. Est-ce qu'il a été mis au point? Notre premier baiser. Notre premier baiser était sur Lagoon of Whispers. Oh. J'arrive pas à demander ça, moi. It's gay. Alors. Oh. Ah, de te barrer. Hein. Nous promettons à 100. Dans joie, dans peine, faisons depuis Arch Glowston l'amour uni, d'ici Simulaguler jusqu'à Even, là, toujours serais-toi. Ok. Oh, moi sur les deux, mais c'est pas grave. Toi. Si moi aimais toi, blessé, moi. Quand moi aimais toi, moi, blessé. Et moi. Le petit bonhomme. Il y a un bateau devant. On sent les couilles, oui mon petit. Couilles, mais tout dans les nouilles. Ça fait alors. Couilles. Oui. Quand je fais de la purée mousseline. Je suis sûr de ce qu'il y a dedans. Je mets du GHB dedans. Oh. J'ai mousselé, oh merde. C'est bon, à s'en lécher les doigts. Alors. Je vous laisse le choix dans la tête. Oui. Dans l'eau de ton bain. Mais c'est cool ces histoires, surtout pour toi que la zone 51 et des mecs qui veulent aller l'attaquer. Mais moi je vais y participer, moi. J'ai pas compris, j'ai pas l'histoire en fait. En fait, il y a un événement sur Facebook où les gens. Il y a un événement World Boss là. Et en fait, les gens ils veulent aller dans la zone 51 pour prouver qu'il y a bien des aliens qui sont cachés, enfin, en tout cas, qui sont en train d'être étudiés par les humains. Vous me raconterez combien ça a fait de morts cette histoire? Non, mais ça va être trop marrant! Mais franchement, c'est trop marrant! Ça va ils vont arriver devant le portail, ça va être une boucherie! Mais, ça va booster l'économie locale, tu te rends pas compte! C'est pas compréhensible en vrai! Pourquoi c'est autant protégé s'il y a pas des trucs si que ça? Mais non, mais c'est juste une base militaire. Parce que c'était des secrets de l'armée. Ouais, il y a quand même des trucs secrets militaires, quoi. Enfin... Au-delà de forcément des aliens, tu vois. Genre. Alors, moi, franchement, je pense. Non, mais il y a quand même des trucs plus chelous peut-être qui traînent, mais pas ce point-là. Hein. Non, il y a des Américains déjà, hein. Pas c'est suffisamment chelou. Non, mais les aliens, on aurait des preuves déjà, je pense. Enfin, ils cacheraient des trucs. Pour éviter de faire paniquer la population. Ouais, mais ils sont déjà assez cons comme ça, je pense que bon, c'est pas un petit peu plus de conneries. Bah non. C'est sûr, déjà quand tu vois qu'ils n'aiment pas les immigrés, alors des gens qui aiment notre planète, là, putain. Alors, moi, j'ai un avis très tranché sur la question, n'est-ce pas? Ouais, et pourtant, je pense pas être stupide. C'est un alien, mais dans ton sens, tu crois que Pierre-Yves, il a joué ça quand il y en a un? Tu sembles là? Ouais. Avec Aya Lewis.
écoute, lui, en fait. Il a chopé. Bah, parce que c'était lui qui écoutait tout le temps du Zambla et qui était en mode non, mais c'est trop bien Zambla. Ah bon? Mais oui! Non, mais il écoutait que celle qui. Oui, non, mais d'accord, il n'est pas celle-ci, mais c'est celle de droite. C'est de droite? Quoi? Déjà, ah, oui, c'est je voulais faire Sarkozy, mais j'ai fait Hollande. Ok. Moi, président. 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 Daffy! Daffy! Ah! Serpent! J'ai cru que c'était une mangue, je vais ramasser une mangue, mais non, c'est un serpent. Ah, MBZ est occasion manquée par un jour. Enculé! C'est quoi ton nom? J'ai la mangue, j'ai entendu le chéri. Enculé! Ah, elle a trouvé la boîte de pisse de genre. C'est la grosse fille. T'es grossophobe mec, c'est celle-ci qu'elle est grosse fille. Oh. Ok. Bon, j'espère qu'on va pas perdre la boîte de pisse de George. Le fameux disque de pisse. Allez, un petit kraken hein. Ça fait longtemps qu'on a un peu. Putain, eh. Je vais traîner sur Doctissimo. Oh, un petit peu comme le 18-25, mais. Oh putain. Oh la. C'est quoi ta mis là? Un oasis Issou. Ah. Ouais. Et ça, en ça, commentaire ouais. Dans le tweet, ils ont mis en dessous 18-25, vous êtes des fous, un truc comme ça. Ouais, puis après ils se sont rattrapés pour commencer à être antisémites. Oh, merde. Bah, c'est le 18-25, quoi. Oasis se dit. Oh là. Qu'est-ce que. Okay. C'est un peu une blague. Bon, ça t'amuse. J'ai envie de tirer. Je nage seul. C'est pas vrai, on est deux. C'était pour la musique. Ouais, mais c'est pas vrai. Je crois que Jean-Jacques c'était vrai. Bah oui, marchez. Je pense pas, non. Je pense pas. Ok. Alors t'arrêtes de triquiter. T'as hein. Regardé le clip. T'arrêtes de triquiter, hein. Ok. Ok. Tape, là. Ok. Zizi, il tape. Ah mais t'es le mec qui essaie de creuser le bateau. On va aller loin avec cet équipage. On va parler avec l'accent du sud de Tenac. Alors où est-ce qu'il faut qu'on arrive là quoi? Sanctuary. Sanctuary putain mais déjà là Sanctuary là. Oh faut retourner voir Madame Olive. Putain Madame Olive du cul là. Qu'est-ce qu'elle est conne celle-là. Madame Olive. Elle est vraiment trop folle. Full vitesse. Hyper vitesse ouais. Lol. Évidente référence. Adorer une magie. J'aurais pas trouvé mieux. Ah, il était rock celui-là. Je suis parlementaire. On va faire une congrès. T'as vu que tu passes, je croyais que tu t'es pas été à faire le rock. Ouais, ouais, en fait, tu vois, je me dis, tiens, je vais le faire. Non. Je déconne, mais en vrai, j'y parle pas en VF. Ça fait un peu votre deux mecs, quoi. Vivons, ça va être des grosses ça arriveront très prochainement à Sanctuary. Comment ça, de grosses connes? Des féministes, ils nous font chier toute la journée. Oui, bon, dans un monde de grosses connes. Ouais, c'est pas faux. On gagne, je dois prouver qu'elles doivent rester qu'à la maison. Ah ouais, putain. Philatoras, se fâche au misogyne. Un cru là. On est trop loin là. Eh oui, mais si t'avais remonté les voiles, peut-être pas. Bah, et ouais. Tu lui ramènes le. Putain, mais tu.
Putain, jamais je vais en bagnole avec toi, dude, insupportable. Non mais putain, juste t'avais dû tourner à droite là. Non mais par contre, t'as jamais eu Aurélien en passager. Hein. Tu vois ? Ouais, je t'insulte pas. Non, tu m'insultes pas, mais c'est l'homme le plus effrayé. Mais sa voiture, on dirait une épave. Tu vois ? Il s'inquiète pour rien. On va devoir déverrouiller sa voiture. Enfin, verrouiller sa voiture. Il a un cadenas de vélo sur la portière. Non mais... Tu vas ouvrir toutes les portières et puis... Oui mais... Parce que... Tu penses vraiment que quelqu'un va essayer de me la voler? Quand tu roules, il doit tenir la porte pour pas qu'elle s'ouvre. Bientôt il m'avoue qu'il a un trou dans le plancher de sa voiture. Il a jamais été aussi proche de la réalité. Alors pas passer au contrôle technique à mon. Et franchement il le passe à chaque fois. La dernière fois j'ai fait le contrôle technique, c'est même le garage qui me l'a rendu avec la batterie qui était morte. Avec le trou où j'ai cru. Avec le trou dans le plafond. Bon, on a réparé les trois trous qu'il y avait. Tu vois ce que c'est la vie de prolétaire. Je jouis comme ça. Ah bon, t'as connu bien ce son. C'est le son de ses viewers. J'imagine 10 000 tortues qui sont en train de regarder. Ils n'ont rien. Enchanted Compass. Ils sont morts. Spoiler. Non. Sur quoi ils sont morts, bordel. On est mort dans ce pays, y'a personne. Comme dans Borderlands, y'a moins de mortalité quoi. LOL. How's this be? J'ai l'air passé sous le bateau. Changement de face en cours. Y'a encore des colards qui font de la musique à mille. La boussole vous indique. Y'en a qui font la fête là. C'est vous toujours quoi? La boussole vous indique désormais gyrose. Gyrose. Y'a quoi de drôle là-dedans en fait? Tu te moques des morts, c'est ça? Ouais. Tu verras hein, quand tu seras mort, tu riras moins. Rira bien qui rira le dernier. La calotte de ses morts. On suit le bito. Ça fait 5 tours que je survis à 4 points de vie. 6. Incroyable. Bien, tu devrais t'estimer heureux. C'est la remontada. C'est la remontada. Ça m'étonne que tu voyais pas jouer à TFT, je vous sens. C'est étonnant quand même. Attends, on va jouer à TFT là, Aurélien? Oui. Eh, tu le dis même pas. Non. Ta gueule. Non, League of Legends, ça détruit des amitiés. Mais c'est vrai. Pas de base là, tu sais. Mais j'en ai rien à foutre. Pourquoi lui non plus, on a rien à foutre? Il a bien raison. Et là, il a sorti son gros Stinkloff contre mon Ratikoff. Puis moi j'en ai marre, moi, de tuer des gens en PvP. Genre, tu vois, je suis dans Minecraft. Je suis dans Minecraft, je suis fermier, tu vois. Je suis fermier. Tu mets vache. C'est pas très vegan, mais. Ça oppose aucune résistance. J'y arrive. Sans aide à one shot ma. Non, ça c'est normal, Aurélien Natal qui fait ça. C'est culturel par chez nous. L'anecdote que t'avais raconté qu'il y a un mec qui a donc mis sa vache parce qu'il croyait que c'était la racarasse de sa femme. Non. C'est vrai. C'est vrai. Putain. C'est horrible. Droit. Un peu à droite. Effectivement, pour lui c'était. Un peu à droite, on va se bouffer le pile, mais ça va. C'est quand même massif une vache, on va avoir de la place. Il y a trop demander de la place pour une personne. Ma mère. Christian Quesada, c'est ce qu'il dit aussi. Oh non, pas lui. Non, arrêtez. C'est plutôt ceci là. Camarade. Ah, ça, il ne peut le nier. Je pense pas. Oh, ça commence à tourner. Hein. Je pense que sous cette île quand même. Ça, c'est les prêtres pédophiles qui disent. Ça commence à tourner. La route va tourner. Ah, en vrai. Ah, c'est full cette île. C'est full cette île. Oh, j'ai la barre qui fait de la merde. Ah, c'est comme ça que tu l'appelles. J'en ai la barre de travers. Aouh. Ça va te faire. Minecraft, c'est comme ça. Put this fucking anchor right now. Ta gueule. Le pied ici, les petits de ta gueule. RIP, Madame Rose, hein. Médaillon de bronze.
Madame Rose. Ah, je voulais faire du teabag, mais on peut pas. Ah non, on peut pas, ça croupite. Arrêtez de... Arrêtez. Putain, y'a quelqu'un qui frappe à la porte. C'est triste, hein. Il y a un zombie. Putain, c'est les huissiers de justice ou quoi? Putain, il va... Tu joues un solo? C'est si beau. Mon frère, ils sont morts. Allô? Le seul jeu qui m'a fait pleurer, c'est Life is Strange, j'en aurai pas l'autre. Ah, pas pleurer. Il te fout les gens. Georgie? Giorgio Armani? Jordi? Jordi. Tu veux dire d'être bébé?